Les hommes comme Balthazar, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est le nom de Balthazar qui est gâté, tout simplement, parce qu'il a pris la décision de se filmer lors des ébats sexuels et parce que c'est un homme très puissant dans son pays. Sinon, les messieurs, tout le monde, les messieurs qui tirent sur tout ce qui bouge, il y en a dans toutes les sociétés. Alors, l'histoire de Balthazar prend place lorsque Balthazar, le fils du président de la CEMAC, Balthazar Ingonga, est directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1 000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar. Et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations avec sa femme. Le frère était choqué, brisé, et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site, donc c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sextape de madame untel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Après avoir balancé les vidéos, les gens seront choqués de reconnaître la femme du garde du corps du président de la République. Les gens seront choqués de réaliser que Balthazar avait aussi des relations avec sa propre cousine. C'est même cette cousine qui était avec lui dans le bureau, la femme avec une longue robe. C'est cette cousine-là qui revient très souvent dans les vidéos. Les gens vont être choqués de voir Balthazar avoir des relations avec la femme de son oncle également. C'est cette femme-là qui est enceinte dans l'une des vidéos. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Balthazar étant marié, sa femme habite au Texas avec les 6 enfants et Balthazar lui-même était avant basé au Texas avant de revenir s'installer en Guinée équatoriale pour le travail et pour des raisons politiques. Et il est probable que la femme de Balthazar également ne savait rien des agissements de son mari. Elle a appris le scandale au même moment que tout le monde sur les réseaux et ça a été dit qu'après avoir découvert tout ça, elle a piqué une crise. Les femmes qui figurent dans les vidéos avec Balthazar, elles étaient toutes conscientes que Balthazar était en train de filmer. Elles ont toutes accepté de se donner elles-mêmes à Balthazar de leur propre gré. Ça a été dit que Balthazar, c'est un homme qui sait comment prendre les femmes. Et pour certaines femmes, c'est limite un succès de sortir avec lui et d'avoir des rapports avec lui parce que c'est un maître à la matière. Parmi les femmes vues avec Balthazar dans des vidéos, il y a également ses employés. Il faut savoir que ces femmes ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient besoin d'argent. Elles sont elles-mêmes femmes d'hommes politiques haut placés et elles ont de l'argent. Si elles l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'elles en avaient envie. Mais je pense ici le grand problème, c'est de se filmer. Lorsque ces femmes se filmaient avec Balthazar, au vu de la puissance que Balthazar a dans le pays et au vu de leur propre influence, elles ne se disaient pas qu'un jour les vidéos pouvaient fuiter. Elles ne s'attendaient pas
qu'un jour, Balthazar pouvait être arrêté pour d'autres raisons et ça allait conduire à la perquisition de son domicile. Enfin, Balthazar, qui était en prison depuis près de 5 mois, a été sorti de la prison et il est incarcéré dans une résidence privée parce que désormais, on a peur qu'on lui fasse du mal au vu de toutes les vidéos qui sont actuellement dehors. Il y a des hommes politiques très puissants qui vont vouloir se venger de lui. Vous avez également pu remarquer que Balthazar allait avec ces femmes-là sans se protéger. Donc, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux que Balthazar, il a des 4 lettres, ce qui n'est pas vrai. Étant donné que ça n'a pas été confirmé, le ministre, quant à lui, a demandé à ce que Balthazar puisse passer un test du VIH pour pouvoir déterminer s'il est atteint ou pas. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.